bless the word, Lord, that we have read. May it stay in their hearts, Lord. May they apply it. May they apply wisdom, Lord, in every situation that they have in life. At school, Lord, may they be wise in the decisions that they make. May they be wise in choosing the friends that they have. Bless them, Lord, that they may also be obedient to their parents. Bless also their parents, Lord, who have the responsibility to raise them up in your ways, Lord, and to teach them and to bring them up, Lord, according to your word. Thank you, Lord, for this chance that you gave us to come into your house this morning. And, Lord, I put the rest of this day into your hands. And I pray in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. You can sit down. Offerings, you can put it inside the box.
est possible aujourd'hui de vivre la sainteté. C'est possible dans ce monde plein de souillures où l'iniquité s'accroît. C'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois, sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui d'être rempli de l'Esprit? C'est possible. Dieu pourra-t-il le donner à celui qui le demande? C'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois, sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui de vivre le vrai amour? C'est possible. L'amour qui supporte tout, qui pardonne et qui croit tout. C'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois, sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui de courir à Golgotha? C'est possible. Guérir de toute maladie et vivre le plein pardon. C'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois, sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui de trouver le vrai repos? C'est possible. Et alors que la promesse d'y entrer subsiste encore. C'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois, sans hésiter. Sans hésiter.
que tu verras. Tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. The wrath of the storm tossing, O demon.
sweetly obey my will. Peace, be still, peace, be still. The earth shall sweetly obey my will. Spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep over my sinking soul, and I perish, dear Master, oh, stand and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace, be still, peace, be still. Whether the wrath of the storms or sea, or demands of men, or whatever it be, no water can swallow the ship when I'm the master of ocean and earth and stars. They all shall sweetly obey my will. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace, be still. Master, the terror is over. Shall make the blessed harbor and rest on the peaceful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace, be still, peace, be still. Whether the wrath of the storm tosses, or demands of men, or whatever it be, no water can swallow the ship when I'm the master of ocean and earth and sky. They all shall sweetly obey my will. Peace, be still, peace, be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace, be still. Thank you.
faire un épilogue by and by. Just a cross on the evergreen shore. Sing the song of Moses and the Lamb by and by. And when we Jesus evermore. I greet as well those who are following from YouTube. May God bless you where you are. In announcement, we want just to remind the church, God willing, next week, from Wednesday, we will receive the servant of God, Brother Obed. He will be starting here, preaching the word of God from Wednesday. So, we have to welcome him. Devons l'accueillir. It's always good to receive visitors. Ça a toujours été bien de recevoir le visiteur. We don't know what God is putting upon their heart. Sorry? We don't know what God is putting upon their heart. Nous ne connaissons pas ce que Dieu met sur leur cœur. So, please be there. Soyez là, s'il vous plaît. And receive the word of God with joy. Et recevez la parole de Dieu avec la joie. In opening, pour commencer,
First, we are going all to stand up. Tous, nous allons nous lever. And we will pray. Nous allons prier. We recommend this service in the hand of our Lord. Pour recommander ce service entre les mains de Dieu. And while we will be praying, pendant que nous serons en train de prier, I have a prayer request. J'ai une requête. Je vais vous demander que vous puissiez prier pour mon père. He's not feeling well. Il ne se sent pas bien. I do believe that, through your prayer, je crois qu'au travers de vos prières, God will answer, Dieu va répondre and, you'll be better. Et il va se rétablir. And we're going also to remember our brother, Trésor. Nous allons aussi nous souvenir de notre frère Trésor who is not feeling well, qui ne se sent pas bien. Yeah, but he needs really your prayer. Il a vraiment besoin de nos prières for God to heal him. Pour que Dieu le guérisse. Yeah, because he's got headache. Parce qu'il a un mal de tête. Un mot de tête sévère. So he is asking your prayer. Alors il demande aussi nos prières. Let's pray for these two requests. Prions pour ces deux requêtes aussi. And, consacrer the service in the end of et consacrer aussi le service entre les mains de Dieu. Notre Père Céleste, ce matin, nous te disons merci pour nous avoir réunis ici. Nous sommes venus ici parce que nous aimons ta parole. Nous sommes venus parce que nous voulons t'écouter. Pas parce que nous sommes parfaits. Nous croyons, notre Seigneur, que tu continues à pardonner tes enfants de tous les maux qu'ils ont faits. Nous sommes en ta présence, mon Seigneur. Il y a différentes situations. Des situations que nous n'avons pas de problème. Mais toi, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu connais toutes choses. Tu peux lire dans le cœur de tes enfants. Puisses-tu répondre selon les désirs de tes enfants. Comme nous t'apportons mon propre père qui ne se sent pas bien. Mais je crois que là où il est, toi tu connais bien toute la situation et que tu le guériras au nom de notre Seigneur. De la même manière, venons avec le frère Trésor. Souviens-toi de lui. Puisses-tu chasser toute cette maladie qui le dérange pour que mon frère se rétablisse au nom de Jésus-Christ.
keep on praying for our brother Joseph. Nous allons continuer à prier pour notre frère Joseph. That, my Lord, you are in control of everything. Nous savons que Seigneur, tu contrôles toutes choses. And all the children of God are looking to you. Et tous les enfants de Dieu qui regardent à toi. With all kind of sicknesses. Avec toutes sortes de maladies. In the name of our Lord and Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. They will be healed. Ils seront guéris. We thank you for everything. Nous te remercions pour toutes choses. Bless your service. Bénis ce service. Bless the preaching that will take place here. Bénis la prédication qui aura place so ici. That it will help us pour qu'elle puisse nous aider. To prepare ourselves à nous préparer nous-mêmes. Because we know that your coming is getting very near. Parce que nous savons que ton retour s'approche. And we have to be ready. Et nous devons être prêts. We pray for your servant. Nous prions pour ton serviteur. Proclaim your word. Tu vas proclamer ta parole. Use him as your tool. Utilise-le comme l'outil. So that the word that will help pour que ta parole puisse aider tes enfants, soit annoncée d'une manière puissante. Et nous comptons que sur toi tous. Et nous croyons, mon Dieu, que ce matin nous serons bénis. Comme je prie, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais demander s'il y a un visiteur, un frère ou une sœur qui est ici pour la première fois. Veuillez vous lever pour que nous puissions vous accueillir parmi les enfants de Dieu. S'il y a quelqu'un qui se lève. Je vois mon frère ici. Can you please tell us your name? Veuillez nous dire votre nom. Monsieur. Monsieur Inale. Nale. It's brother Nale. C'est le frère Nale. Yeah, he's here to listen the word of God. Il est ici pour écouter la parole de Dieu. May God bless you, my brother. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Feel at ease. Sentez-vous chez vous. We have only one gospel. Nous n'avons qu'une seule évangile. We are announcing the word of God. Nous annonçons la parole de Dieu. Qui a sauvé les enfants de Dieu. Comme nous tous ici, nous nous préparons, nous nous préparons à rencontrer le Seigneur. Et c'est au travers de cette parole que l'on annonce. Et elle dit que très bientôt, il viendra pour prendre ses enfants. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Nous sommes contents de vous avoir. Je demande à l'église, accueillez-vous le frère Nali parmi nous? Secouez votre main. Sentez-vous chez vous comme je l'ai dit. Nous avons un bébé à consacrer au Seigneur. Nous allons consacrer le bébé au Seigneur. Souvenez-vous que ça a toujours été le père et la mère qui apportent le petit enfant au Seigneur pour que notre Dieu bénisse le petit enfant. Nous ne baptisons pas le petit enfant. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien encore. Jusque-là, l'unique chose que nous pouvons faire pour maintenant, c'est juste le consacrer au Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire. Alors que la chorale nous chante un cantique, et je vais prier pour l'enfant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me tiens en ta présence avec le bébé Elijah. I'm in your presence with the baby Elijah.
Nous savons que les bébés, c'est une bénédiction qui vient de ta part. We know that babies are a blessing coming from you. Tu as béni mon frère et ma sœur avec ce bébé Elijah. You have blessed my brother and sister with this baby Elijah. Et aujourd'hui, nous les consacrons à toi, oh mon. And today we are consecrating the baby to you. Nous prions, oh mon Dieu, que tu puisses bénir cet enfant. We pray, oh my God, for you to bless this que baby. Que cet enfant grandisse en ta présence. For this child to grow in your presence. Qu'il puisse être un enfant obéissant May à ses parents. May he be an obedient child to his parents. Et notre prière, and our prayer, c'est que cet enfant grandissant, is for this child growing qu'il up, qu'il te connaisse, for him to know, qu'il puisse to know aimer you, ta parole, and for him to love your word, et qu'il puisse aussi te servir, and for him to serve you. Bénis le papa, bless the father, et bénis la maman de l'enfant, and bless the mother of the child. Sister, le frère Deo, our brother and Deo, Deborah. And our sister Deborah. Nous prions au Dieu Tout-Puissant, we pray, O God Almighty, que tu puisses te souvenir d'eux, for you to remember them, que tu puisses bénir leur maison, for you to bless the qu'ils ne puissent pas manquer de quoi donner à cet for enfant, them not to lack anything to pour give qu'il to the puisse child, bien grandir. For this child to grow up well. Bénis le travail de mon frère Deo. Bless the work of my brother Deo. Nous prions au Seigneur Dieu we Tout-Puissant, pray, O Lord Almighty, que tu le God, fortifies, for you to strengthen et qu'en toutes choses, in qu'il puisse être le papa que les enfants aiment. For him to be a dad that que notre sœur Deborah for our sister puisse Deborah être la maman que les enfants aiment. To be the mom that children nous te remercions love. Pour we tout thank you for et everything. Nous prions and we pray au nom puissant de notre Seigneur our Almighty et Sauveur God Jésus-Christ. And Savior Jesus Christ. Amen. Amen. We are now going to read the word of God. Maintenant, nous allons lire la parole and de Dieu. Reading the word of God, et après la lecture de la parole, song, la chorale va nous entonner des cantiques. After that, the pastor will come on après quoi, le pasteur viendra à la chair. We're going to read, we, can you please stand up? Veuillez vous lever. We're going to read in the book of Hebrew, chapter 2, nous allons lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 2. 11. À partir du 11e verset 11. I will read the word of God. Je vais lire la parole de Dieu. For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. For which reason he is not ashamed to call them brethren. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Saying, I will declare your name to my brethren in the midst of the assembly, I will sing praise to you. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. May God bless the reading of his word. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. And the choir, before the choir, sorry. Sunday school, we need the report for nous allons avoir le rapport de l'école de dimanche. May God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Today with our children, aujourd'hui avec nos enfants, our topic was about wisdom. Notre sujet était concernant la sagesse. We read in, Proverbs chapter 3, nous avons lu dans Proverbes chapitre 3, from verse 18 to 15, à partir du 13e au 15e verset, we taught the children that nous avons enseigné aux enfants que we need wisdom, nous avons besoin de la sagesse in order to make the right decision in our lives, pour que nous puissions prendre de bonnes décisions dans nos vies, in the life of Solomon, dans la vie de Salomon, who asked from God wisdom, qui avait demandé la sagesse à Dieu in order to lead the people of God, pour conduire le peuple de Dieu. In terms of attendance, en ce qui concerne la présence, we had a total of 12 children, nous avions l'ensemble de un total de 12 enfants, 7 boys and 5 girls, 12 garçons, 5 filles, who brought the offering to God, qui aussi ont apporté l'offrande à Dieu. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Now the choir can, maintenant, la chorale peut nous entonner des chansons.
Yeah.
Lord, you are Lord, you are worthy to be praised. Oh, to ye Alpha. Sumu ayo Yesu aono ama o
Una pata o kombo se katina. Oh, katina mo, katina mo. Ume o shwa mo yo ako, ume kuwa safi. Oh, katina mo, katina mo. Ume ondo le wazambe katina. Oh Yesu atato kukua arosini mwake uko umevi kwa nguo safi katita. Oje wajenga choya mwamba moyo wako muzima unashinda kila saa katita. Oh katita mu, katita mu. Umeosha moyo wako, umekuwa safi. Oh, katika mo, katika mo. Umeondolewa dhambi katika mo. Oh, Bwana Yesu asifiwe alitoa damu yake na kwa damu ya tamani utashinda. Asubuhi kubwa ile vita itakapokwisha tutaimba kwa furaha juu ya damu. Oh, kati damu, kati damu. Umeosha moyo wako, umekuwa safi. Oh, kati damu, kati damu. Umeondolewa dhambi kati damu. Let me walk, bless the Lord in the way thou hast gone, leading straight to the land above. Giving cheer everywhere to the sad and the low. Oh, fill my way every day with love. Oh, fill my way, fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove. Oh, let me go the while with the song and the smile. Fill my way every day with keep me close, keep me close to the side of my Savior and God. Let me never in darkness roam. Keep my heart free from birth and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Oh, fill my way, fill my way every day with love. Let me go, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with on the race, on the race,
will be o'er and I'll travel no more, but abide in my home above. Oh, let me sing, blessed King, on the way to the shore. Fill my way every day with love. Fill my way, fill my way every day with love. Oh, as I walk with the heavenly guide, let me go. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way. Nazalimo paya namotilioyo mokananga seko ezalina lola mokolombo soso nakosonga nangai nakokende nangai lola oh nami pesi nami pesi nayo polo nangai yesu nisalise nangai otie pai nayo Yesu nangai yosu Yesu tala seyo Yesu mope kese Oh, tango, tango, nako, tala, nyoso, nambo, kili. Namasomo, nyoso, bako, bako, sala. Ela, kiste, solo, mope, bembe, lembi. Ona, kende, nanga, lola. Oh, nami, pese, nami, pese, nayo. Kolo, nanga, yesu, kisa, lese, nanga. Sante na mokili olo na kwalanda tate moto na mokili na mipeste na yo mopikisi nanga kiboko ya mome manga oh na mipeste na mipeste na yo kolo nanga yesu nisa lise nanga e ote pai na yo Na mola ki solo na motili oyo na lubaki nyoso na maponga nyoso na zuake atate akubiki zanga obele yo molo yesu oh na mipesi na mipesi na yo molo nanga yesu kisalise na
Osangala le mole shekolo. Osangala le mole shekolo. Osangala le mole shekolo. Osangala le mole shekolo. Sangala le sangala le. To ask everyone to stand, we're going to sing a short song before the preacher can come. Souridant. Can we all stand up, please? Que tu aimes, tu es la mère de ton soin.
May God bless you. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. We welcome you this morning in the house of God. Ce matin, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. It is a house of prayer. C'est une maison de prière. A house of instruction. Une maison d'instruction. A house of correction. Une maison de correction. We come to hear the word of God. Nous venons pour écouter la parole de Dieu. And to prepare ourselves. Et pour nous préparer. The Lord is coming soon. Car le Seigneur revient bientôt. All the signs shows that. Tous les signes montrent que. The Lord is at the door. Le Seigneur est à la porte. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. We welcome as well those who are following us online. Nous souhaitons la bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne. May the blessing of the Lord be with you as well. Que les bénédictions de notre Seigneur soient avec vous aussi. While we are standing, pendant que nous sommes debout, we are going to we finish with our topic on marriage. Aujourd'hui, nous allons mettre un point avec notre sujet sur le mariage. Many things were said, tant de choses ont été dites. And we believe the Lord will bless us. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira. Marriage is for the entire life. Le mariage, c'est pour toute la vie. And we cannot finish. Et on ne peut pas finir avec ce But sujet. We believe that, with the word of God, mais nous croyons qu'avec la parole de Dieu, God, is in our midst, Dieu est parmi nous, is in our marriage, il est dans nos mariages to bless us. Pour nous bénir. We are going to read the Hebrew chapter 13, nous lirons dans Hébreux chapitre 13, verse 4. À partir du quatrième verset. It speaks about marriage. Ceci parle du mariage. We read the word of nous lisons la parole de Dieu. Marriage is honorable of in all, and the bed undefiled, but warmongers and adulterers God will judge. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt des souillures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Let's bow our head. Inclinons nos têtes. Our Heavenly Father. Notre Père céleste. We esteem ourselves privileged people. Nous nous estimons un peuple privilégié. To come and sing for your glory. D'être venu et chanter pour ta gloire. To come to hear your word. De venir pour écouter ta parole. The gospel of our salvation. L'évangile de notre salut. Precious Lord, précieux Seigneur, we do consider the time in which we are. Nous considérons le temps dans lequel nous sommes. We can see the sign everywhere. Nous pouvons voir les signes partout that you announced in your word, que tu as annoncé dans ta parole, showing that your coming is very soon, qui montre que ta venue est très imminente. May you awaken each and every one of us. Que tu puisses réveiller chacun de nous. Awaken my brother. Réveille mon frère. Awaken my sister. Réveille ma sœur. We don't want to remain in spiritual amnesia. Nous ne voulons pas rester dans l'amnésie spirituelle. We don't want to remain following the train of this world. Et nous ne voulons pas rester en train de suivre le train de ce monde. We want to be ready. Nous voulons être prêts. Precious Lord. Précieux Seigneur. Even when it comes to our marriage, même quand il s'agit de notre mariage, we want to line up with your word. Nous voulons nous aligner avec ta parole. We want to marry according to your word. Nous voulons nous marier selon ou conformément à ta parole. Live in our marriage according to your word. Et vivre dans nos mariages conformément à ta parole. May you grant your grace, que tu puisses nous accorder ta grâce. Each and every one of us. Accorde cette grâce à chacun de nous, particularly to the youth, spécialement aux jeunes. Who still have to make those decisions. Qui doivent encore prendre ces décisions. They've got many challenges. Ils ont plusieurs défis. But may you protect them. Mais que tu puisses les protéger. And guide them, et les guider, Lord. Précieux Seigneur. Bless this service. Bénis ce culte. Bless each and every one of us. Bénis chacun de nous. Bless our visitors. Bénis nos visiteurs. We surrender them to you, Lord. Nous les recommandons à toi, Seigneur. May your word find as well the place in their heart. Que ta parole puisse aussi trouver une place dans leur cœur. We believe that the revelation comes from nous you. Croyons que la révélation vient de toi.
May you reveal it to them que as tu well. Puisses leur révéler cette parole. We bring all the prayer requests, nous apportons toutes les requêtes de prière, all our need, tous nos besoins, all our burden, et tous nos fardeaux, all our challenge, tous nos défis. We bring them to you, nous Lord. Les apportons à toi, précieux Seigneur. You are the solution. Tu es la solution. What is impossible to man, ce qui est impossible chez les hommes is possible with you. Est possible avec toi. Thank you, Lord. Merci Seigneur. When we see our associate pastor, quand nous voyons notre pasteur associé parmi nous, we can only thank you. Nous ne pouvons que remercier because ton nom. You are the God who answers prayer, parce que tu es le Dieu qui exauce aux prières. And we believe that you will finish what you have started. Et nous croyons que tu finiras ce que tu as commencé. Glorify yourself in our midst, glorifie-toi parmi nous while we are listening to your word, pendant que nous écoutons ta parole. We have prayed, nous avons prié in the mighty name dans of le nom our puissant Lord de notre Seigneur and the Savior, et Sauveur Jesus Christ. Jésus Christ. Amen. Amen. We can sit down. Nous pouvons nous rasseoir. Before we go to the word of God, avant que nous allions à la parole des dieux, I just want to confirm that, j'aimerais seulement confirmer que we will have Pastor Obed Matipedi, nous aurons le frère, le pasteur Obed Matipedi, from Wednesday, à partir de mercredi de la semaine prochaine. He will come for the preaching of the word of God. Il va venir pour la prédication de la parole des dieux. You know that because of corona, vous savez qu'à cause du Covid, it have been a long time that our brother haven't visited us. Ça fait tellement longtemps que notre frère nous a visités. But God have made it possible. Mais Dieu a rendu cela possible. He will be with us from Wednesday. Il sera avec nous déjà à partir de mercredi. When we have got a visitor, quand nous avons un visiteur, particularly for the preaching of the word of God, spécialement pour la prédication de la parole des dieux, let us not stay at home. Ne restons pas à la maison. Particularly the midweek services. Spécialement les semaines, les services de, au courant de la semaine. Let us come. Venons. And honor the word of God. Et honorons la parole de Dieu. And receive the message that the Lord have put upon his heart. Et recevons le message que le Seigneur a placé sur son cœur. And we believe that we will be blessed. Et nous croyons que nous serons bénis. He is a brother. Il est un frère who served the Lord for a long time. Qui a servi le Seigneur pendant longtemps. He have believed this message already in 1974. Il a cru à ce message déjà en 1974. And since then he stood for the truth. Et depuis lors, il a pris position pour la parole. I met him for the first time. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1995. En 1995. And he is not wavering. Et il ne chancelle pas. He stand for the truth. Il se tient pour la vérité. That's why let us come. C'est pourquoi venons. And we believe the Lord will bless us. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira. And we just want to remind one another. Et nous voulons aussi nous rappeler mutuellement. In a local church, dans l'église locale, there is elders, il y a des anciens. There is the deacon. Il y a aussi les diacres. The duty of the deacon, le devoir des diacres, is they are the police to keep the order during the service. C'est qu'ils sont des policiers pour garder l'ordre dans le service. And they assist the elders, et ils assistent les anciens, in spiritual matters, dans des affaires spirituelles, and as well in the need of the children. Et aussi of God. Dans les besoins des enfants des dieux. If you have got a need, si vous avez un besoin, do not hesitate n'hésitez to call the deacon. Pas à appeler les diacres. Understand. Vous comprenez. And I think we will put next time the phone number. Je crois que prochainement nous allons mettre leur numéro de contact. So that if you are in need, afin que quand vous êtes dans le besoin, deacon are servant of God. Les diacres sont des serviteurs des dieux. Just call. Appelez-le. And it will be attended to. Et on va répondre à votre problème. That is, it is important. Cela est important. They are there for to take care of you. Ils sont là pour prendre soin de vous. They are your servants. Ils sont vos serviteurs. And another things before we go to the word of God. Et une autre chose avant que nous allions à la parole des dieux. We will have a meeting with the youth. Nous aurons une réunion avec les jeunes. I will give you the date. Je vais vous annoncer la date. Je préfère. On the day where there is no choir rehearsal. Je préfère que nous ayons cela dans un jour où on n'a pas de raison ou de répétition. Je crois que ça sera le premier week-end du mois. We want it as soon as possible. Et nous voulons cela le plus tôt que possible. Saturday, the first Saturday of next month. Le premier samedi du mois prochain.
with the youth, avec les jeunes, from 13 years, à partir de 13 ans, all the bachelors, et tous les célibataires. Come, venez, we are going to exchange, nous allons échanger about marriage, sur le mariage, not only marriage, about pas seulement the word of God. Le mariage, mais aussi la parole des dieux. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Another point. Un autre point. We have got a need. Nous avons un besoin of instrument. Des instruments. The need that the choir, the musician have presented to the church. C'est un besoin que la chorale et les musiciens ont présenté à l'église. And we have bought in the past some equipment. Et dans le passé, on a acheté quelques équipements. But we say this time we have to buy instrument of quality. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit, nous devons acheter des instruments de qualité, de bonne qualité. The instrument for image, for the audio. Et aussi les instruments de l'audiovisuel. Expensive. Sont tellement chers. That's why we thought to speak to the church. C'est pourquoi nous avons eu la pensée de parler à l'église. To, for the contribution of each and every one. Pour la contribution de chacun de nous. We will give more details, nous allons vous donner plus de détails. But the idea was, mais l'idée était que désormais, à partir d'aujourd'hui, comme on en parle, for the next, maybe six months, et pour les six mois qui viennent, if everyone can contribute something every month, d'ici quelqu'un ou chacun de nous peut contribuer quelque chose chaque mois, we will be able progressively to acquire what is necessary. Nous serons capables d'acquérir en progression ce qui est nécessaire. We have got the list of different prices. Nous avons la liste des différents prix. Because another element that we want to ask. Et un autre élément que nous aimerions demander. If, for example, you say I will buy you this instrument. Si par exemple vous dites que je vais vous acheter cet instrument. You can come and see the trustees. Vous pouvez venir et voir les diacres ou soit les administrateurs. So that you can see what the technician and those who play the instrument have shown us. Afin que vous voyez ce que les techniciens ou ceux qui jouent aux instruments nous ont montré. And the arrangement can be made. Et l'arrangement peut être fait afin que. We will give you the smallest amount that we think. Nous allons vous donner le montant le plus bas que it nous croyons. The smallest. C'est le montant le plus moindre. You can be free to go far above. Vous pouvez être, vous êtes libre d'aller encore plus loin, au-delà. It is your own freedom. Alors cela revient à votre liberté. But we would like everyone to contribute. Mais nous aimerions que chacun de nous puisse contribuer. We will try not to overburden. Nous allons essayer de ne pas vous surcharger. That's why we have spread it over six months. C'est pourquoi nous avons étendu cela pendant and six mois. We believe that, et nous the croyons Lord que will bless us. Le Seigneur nous bénira. It is for the house of God. C'est pour la maison des dieux. The Lord is coming soon. Le Seigneur revient bientôt. If there is a time where we have to serve the Lord, et s'il y a un temps où nous devons servir le Seigneur, where we can do something for our God, où nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur, it is now. C'est maintenant. When the Lord come, quand le Seigneur vient, we will be with him nous forever. Serons avec lui pour l'éternité. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Let's bow our heads. Inclinons nos têtes. Our heavenly Father, notre Père céleste, once more we come to you. Une fois de plus, nous venons à toi. We have presented all these announcements. Nous avons présenté tous ces communiqués. We ask you, Lord, nous te demandons, Seigneur, may your Holy Spirit guide us, que ton Saint-Esprit nous conduise in everything, en toutes choses, because it is about your house. Parce que ceci concerne ta maison. May you put it upon your children, que tu puisses placer cela sur tes enfants. The desire to support your work, que tu mettes le désir de soutenir ton œuvre. As they do it already, et comme ils le font déjà. Through the offering, au travers de leurs offrandes. Through the tithe, au travers de leurs dîmes. They do it, precious Lord, ils le font, précieux Seigneur. And may your blessing rest upon et que them, tes bénédictions reposent sur eux, Seigneur. Be with us now, sois avec nous maintenant. As we are about to listen to your word, comme nous sommes sur le point d'écouter ta parole. Guide everything, guide toutes choses. We have prayed, nous avons prié. In Jesus Christ's name. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. My brother, my sister, mon frère et ma sœur.
J'aimerais d'abord saluer nos visiteurs, que Dieu vous bénisse. Vous êtes la bienvenue parmi nous. Sentez-vous à l'aise parmi les enfants de Dieu. We have been talking about marriage. Nous parlons du mariage. We spoke about the courtship. Nous avons parlé de la fréquentation. Because the children of God, parce que les enfants de Dieu, they are concerned of what God have said. Ils sont concernés par ce que Dieu a dit. They want to please God. Ils veulent être agréables à Dieu. That's why they even ask questions. C'est pourquoi about, ils posent même des questions sur, about those topics. Sur ces sujets-là. The people of the world, les gens du monde, they do what they want. Ils font ce qu'ils veulent. They call good, bad. Ils appellent bien mal. And what is bad, that's what they call good. Et le mal, ils appellent ça bien. It is like the world, the people are walking upside down. C'est comme qu'ils diraient dans le monde, les gens marchent à l'envers. But for a true child of God, mais pour un véritable enfant de a Dieu, person who have met the Lord une Jesus personne Christ, qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, the Lord told the disciples, le Seigneur a dit aux disciples, go all over the world, allez partout dans le monde, preach the gospel, prêchez la bonne nouvelle, the one who believes, et à celui qui croit and is baptized, et qui sera baptisé, is saved. Il sera sauvé. And then he add, et il a ajouté, and teach them to keep all the instructions I have given dit, you. Enseignez-le à garder les instructions, toutes les instructions que je vous ai données. Keep the word of God. Gardez la parole de Dieu. Salvation is in Jesus Christ. Le salut est en Jésus-Christ. And my brother, my sister. Et mon frère et ma sœur. God is still saving. Dieu continue à sauver. The work of Calvary. L'œuvre du calvaire. Have not failed. N'a pas encore failli. The work of Calvary. L'œuvre du calvaire. If you believe in Jesus si vous Christ, croyez en Jésus-Christ. It produces cela true children produit of God. Des véritables enfants de Dieu. True children of God. Des véritables enfants de Dieu. And true children of God. Et les véritables enfants de Dieu. They live by the word of ils God. Vivent par la parole de Dieu. The Bible says, la Bible dit those who are led by the Spirit of que God, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu they are children of sont God. Enfants de Dieu. As a children of God, en tant qu'enfants de we Dieu, are led by the nous Spirit sommes conduits God. Par l'Esprit de Dieu. Not by the confusion of the world. Et non pas par la confusion du monde. We are led by the word of nous God. Sommes conduits par la parole de Dieu. Even when it comes to marriage. Même quand il en vient du mariage. And it is important. Et c'est important. We spoke about the courtship. Nous avons parlé de la fréquentation. Because it concerns the youth. Parce que cela concerne les jeunes. And as the youth, et en tant que jeunes, who have believed the word of God, qui ont cru à la parole de Dieu, their concern is to put the word of God leur in practice. Souci c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. In Psalm 119, dans Psaume 119, verse 9, verset 9, the Bible asks the question, la Bible pose la question. How will the young man keep his path clean? Comment le jeune va-t-il purifier ou garder son sentier pur? How will the youth keep their path clean? Comment le jeune va-t-il garder son sentier pur? And the path of the life, et le sentier de la vie is your entire life, c'est toute votre vie, your time of study, ou votre temps d'études, your time of finding the work, le temps où vous recherchez votre your emploi, time of marriage, votre temps de mariage, jusqu'à ce que vous mourrez. That is your path. C'est ça votre sentier. How will you keep it clean? Alors, comment allez-vous garder cela pur? The Bible says, la Bible dit, how will a young man cleanse his way? Comment un jeune homme va-t-il purifier son sentier? By taking heed according to the word of God. C'est en marchant selon la parole de Dieu. That's why we spoke about the courtship. C'est pourquoi nous avons parlé de la fréquentation. We are living in the time, nous vivons dans le temps where there is what is called the boyfriend, the girlfriend. Où il y a ce qu'on appelle le copinage. But there is another technical word, mais il y a un autre mot technique that they use for that practice, qu'on utilise pour cette pratique. It is called recreational dating. Recreational dating. Recreation frequentation. Oh, yeah. Se fréquenter. For leisure. Se fréquenter pour plaisir, pour la récréation. Ah.
That's how it is called. C'est comme ça que cela Because est appelé. Because you are not married. Parce que vous n'êtes pas d'abord marié. There is no commitment. Il n'y a pas d'engagement. The parents of the young girl know nothing. Les parents de la jeune fille ne sont au courant de rien. But she is involved in a relationship. Mais elle est impliquée déjà dans une relation. You see, brethren. Oui, frères et sœurs. It is not right. Cela n'est pas correct. How will the young man keep his path clean? Comment le jeune homme va-t-il purifier son sentier? By keeping the word of God. En gardant la parole de Dieu. In the word of God. Dans la parole de Dieu. God knows Dieu the younger virgin. Dieu connaît la jeune fille étant vierge. Know the young girl who is engaged. Dieu connaît le jeune garçon qui est engagé. La jeune fille qui est engagée. Fiancé. God knows the married woman. Dieu connaît aussi la femme mariée. And God knows the widow. Et Dieu connaît les veuves ou la veuve. Those secret relationships are not known. Et ces relations secrètes ne sont pas connues par Dieu. It is not the word of God. Ce n'est pas la parole de Dieu. Recreational dating. Rencontre récréative. Ah. It is a breeding ground for sin. C'est un terrain de péché. It is a breeding ground. C'est un terrain de péché. Where you sin is in preparation. Où le péché est en préparation. And as children of God, stay away. Et en tant qu'enfant de Dieu, éloignez-vous de la chose. And it is a sin against the marriage. Et c'est aussi un péché contre le mariage. Because what happened is that Parce que ce qui se passe, c'est que boyfriend, girlfriend, les gens vivent dans ce copinage et continuent toujours dans ce copinage. When they are tired, mais là, quand ils se fatiguent, they say, no, now I want to ils se disent, maintenant, je veux maintenant me marier. Marriage become an accessory. Mais le mariage devient un accessoire. Like on the car, comme dans la voiture, there is a spare wheel. Il y a le pneu de réserve. Ah, it's kept there. On a mis ça quelque part. You can part. Have a car up until it is destroyed. Vous, you will never use vous it. Vous pouvez utiliser votre voiture jusqu'à ce que c'est détruit sans utiliser That's ce pneu de réserve. Boyfriend, girlfriend put marriage. C'est la position où les copinages met le mariage. It becomes a spare wheel. Cela devient un pneu de réserve. After you have done your life, après que vous avez fini de vivre votre you vie, have been dumped, vous avez été trompé and you have dumped people, et vous avez aussi trompé d'autres personnes. You have commit, abortion, vous avez fait l'avortement. You are finished. Et vous êtes fini, c'est fini déjà. Then you say, no, no, now I Alors want là, vous vous dites, a white wedding. J'ai besoin d'un mariage blanc. It is a sin against the marriage. Cela est un péché contre le mariage. We have to stay away. Nous devons nous éloigner de la chose. Young man, jeune homme, young girl, jeune fille, fill your mind with other things. Remplissez votre pensée d'autres choses, avec d'autres with choses, your studies, avec vos études, with your relationship avec with God, vos relations, votre relation avec Dieu. Serve the Lord. Servez le Seigneur. God is calling even bachelors to the ministry. Dieu appelle même les célibataires au ministère. Do something for Faites the quelque Lord. Chose pour le Seigneur. Stay away. Éloignez-vous de la chose. You see, brethren. Oui, frères et sœurs. And the younger have got even a huge responsibility. Et la jeune fille a même une grande responsabilité. She have got the virtues that she have to bring in marriage. Elle a des vertus qu'elle doit amener au mariage. And she carry the responsibility to protect those virtues. Et elle porte la responsabilité de protéger ces vertus-là. Not another person. Pas une autre personne qui doit le faire à sa place. It's herself. C'est elle-même qui doit le faire. That's why friendship between boys and girls, C'est pourquoi it l'amitié is not right. entre les filles et les garçons n'est pas correcte. Stay away. Éloignez-vous de la chose. Stay away. Éloignez-vous de cela. And God will bless you. Et Dieu vous bénira. We saw all these things. Et nous avons vu toutes ces choses. Because that is the preparation to the marriage. Parce que cela est la préparation au mariage. What we have noticed, ce que nous avons remarqué, there is a boy who want to play with girls. Il y a des garçons qui veulent jouer avec des filles, s'amuser avec elles. I'm free. Non, I can je do what libre, I want. Je peux faire ce que je veux. And when the time to get married, et quand le temps de se marier arrive, he abandoned the one he was playing with. Il abandonne la fille avec qui il plaisantait. He went to look elsewhere. Il va aller chercher ailleurs.
You see, brethren, voyez, frères et sœurs, may the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. Let us fear the Lord. Craignons le Seigneur. We are preparing for the return of the Lord. Nous nous préparons pour le retour du Seigneur. That's where the preparation starts. C'est là que la préparation commence. And every young man, et chaque jeune homme, every young girl, chaque jeune fille, who think to have a blessed marriage, qui pense à avoir un mariage béni, have to take these things into account. Doit prendre toutes ces choses en compte. Because what happened is that, parce que ce qui s'est passé, why que the boy will abandon you and go and look elsewhere? Quand le garçon va vous abandonner et aller chercher ailleurs, why will he do pourquoi that? Va-t-il because vous he abandonner? Have discovered that you are doing adventurous. C'est parce qu'il a découvert que vous faites des aventures. Now he say, now I want to get married. Il dit maintenant, je vais will me marier. I marry an adventurous? Est-ce que je veux me marier à une fille aventurière? No, non, I can't. Je peux pas. If she is doing things like this in the house of the parents, si elle fait des choses pareilles dans la maison de ses parents, what will she not do in the marriage? Alors que ne va-t-elle pas faire dans le mariage? We have to fear God. Nous devons craindre Dieu. Young girls, stay under the responsibility of your parents. Jeune fille, restez sous la responsabilité de vos parents. If a brother disturb you, speak to father. Si un frère vous dérange, alors parlez à votre papa. If the father is not come and see me. Si le frère the parent are not si there. Si le papa n'est pas là, n'est pas vivant, venez me voir. Me. Venez me voir. We will call the brother. Nous allons appeler le frère. You see, brethren. Oui, frères et sœurs. We are for the marriage. Nous sommes pour le mariage. And we showed the way things have to be done. Et nous avons montré la if manière dont les choses doivent être faites. Married, si vous voulez vous marier, go ask permission to the parent of allez the demander la permission aux parents de la jeune fille. We read scripture. Nous avons lu des écritures. We read the story of Tamar. Nous avons lu l'histoire de Tamar. He told Amnon. Il a dit Amnon. Why do you force yourself in my life? Pourquoi te forces-tu sur dans ma vie? Speak to my dad. Il dit parle à mon père. He will not refuse. Il va pas refuser. You see, brethren. Voyez, frères et sœurs. We thank the Lord. Nous disons merci au Seigneur. Because he loves us. Parce qu'il nous aime. Marriage is honorable. Que le mariage soit honoré even de tous. In your youth, honor marriage. Et même dans votre jeunesse, honorez le mariage. Honor marriage. Honorez le mariage. And God will bless you. Et Dieu vous bénira. Because you do it because of the word of parce God. Que vous le faites pour la parole de Dieu. Marriage is honorable of all. Que le mariage soit honoré de tous. But womongers et les impudiques and adulterers et les adultères Dieu les jugera. Let's read in 1 Thessalonians. Lisons dans 1 Thessaloniciens. Premier Thessaloniciens chapitre 4. Verse 3. Verset 3. For this is the will of God, even our sanctification, that you should abstain from fornication. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Not in the lust of concupiscence, even as the gentle which know no God. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. That no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. For God have not called us unto uncleanness, but unto holiness. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. That is the will of God. C'est ça la volonté de Dieu. Notre sanctification. And we saw it, et brethren, nous avons vu cela, frères et sœurs, God have sanctified marriage. Que Dieu a sanctifié le mariage. The Bible says, la Bible dit, if
It is better to marry than to burn. Il dit, il est mieux de se marier que de brûler. If you burn, si vous brûlez, get married. Alors mariez-vous. Because God have sanctified. Parce que Dieu a sanctifié. Even intimacy in the marriage. Même l'intimité dans le mariage. Outside of marriage. Hors du mariage. It is a sin. Ça s'appelle péché. It is a prostitution. C'est la prostitution. It is adultery. C'est l'adultère. Fornication. C'est l'impudicité. Warmongers, as we read. Les impudiques ou l'impudicité comme on a lu. Les adultères. Outside of marriage. Hors du mariage. But in the marriage. Mais dans le mariage. For us to live a sanctified life. Pour que nous vivions une vie sanctifiée. God have sanctified. Dieu a sanctifié la chose. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, in 2 Corinthians, dans 2 Corinthiens, chapter 1, chapitre, chapter 7, verse 1, chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, ayant donc, perfecting holiness in the fear of God. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Having these promises. Ayant de telles promesses. This verse one, ce premier verset come after verse 17 and verse 18 of chapter 6. Vient après le verset 17 et 18 du chapitre 6. Where the Bible says, où la Bible dit, wherefore come out from among them and be ye separated, say the Lord. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. And touch not the unclean things, and I will receive you. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. And I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, say the Lord Almighty. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Having such promises, et ayant de telles promesses, let us cleanse ourselves. Purifions-nous. Because what God desires is our sanctification. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. He wants us to be holy. Il veut que nous soyons saints. In Hebrew chapter 12, en Hébreu chapitre 12, verse 4, verset 4, verse 14, sorry, verset 14 plutôt, the Bible says, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume puissante des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Lest there be any fornicator or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. This is addressed to the children of God. Ceci est adressé aux enfants de Dieu. Let there be no among you fornicator. Qu'il n'y ait ni impudique parmi vous. Let there be no among you profane. Qu'il n'y ait ni profane parmi vous. Like Esau. Comme Esaü. Esau was a profane. Esaü était un profane. Esau the brother of Jacob. Esaü le frère de Jacob. He was born the first. Il était né, le premier né. He had the birthright. Il avait le droit d'aînesse. But he didn't know the value of the birthright. Mais il ne connaissait pas la valeur du droit d'aînesse. And he took it lightly. Et il a pris cela légèrement. He said, what will it profit me? Il a dit, à quoi est-ce que cela va me servir?
I'm hungry, I want to eat. J'ai faim, je veux manger. Give me food and donne-moi take la nourriture it. Et prends cette it droit doesn't help me. Cela ne va pas m'aider, ça that m'aide is pas. A profane. C'est ça, un profane. A person who doesn't une take personne the blessing of God qui ne with prend value. Pas les bénédictions de Dieu avec valeur. Don't be a profane. Ne soyez pas une personne profane. Don't sell your body because of market ne score. Vendez pas votre corps à cause des points à l'école. If you need to fail, si it's better to fail. Si vous devez échouer, alors échouer c'est then mieux. To sell your birthright. C'est mieux que de vendre votre droit d'aînesse. Or the blessing that God have given ou la bénédiction que Dieu vous a donnée. Because you don't know the value. Parce que vous ne connaissez pas la valeur. A young girl must go to the marriage being a virgin. Une jeune fille doit aller dans son mariage it étant is vierge. A great value. For your marriage. C'est une grande vertu pour votre mariage. But because people are profane, mais parce que les gens sont profanes. But the Bible says, et la Bible dit, follow peace and holiness. Cherchez la sanctité. Seek for peace. Cherchez la paix. For sanctification. Cherchez la sanctification. Without which nobody sans will laquelle see the personne ne verra le Seigneur. Oui, frères et sœurs. And we are living in the time et nous vivons dans le temps where the mind of people is rotten. Où la pensée, où les pensées des gens sont pourries. Let me read you. Laissez-moi vous lire. Le prophète. In the preaching, the mark of the beast. Dans la prédication, la marque de la bête. He say. Il dit. No wonder the world is polluted. Pas étonnant que le monde n'est pas est pollué. Par their whole mind is unsex. Leurs pensées sont. Is paragraph 39. Paragraph 39. Sorry. It was preached on the 12th of March. Cela a été prêché le 12 mai 1955. March. Le 12 mars. 55. 1955. Ah, paragraph 39. Paragraph 39. The world is polluted. Il dit pas étonnant que le monde soit pollué. The whole mind is on sex. Leur pensée est basée sur le sexe. And the filth. Et la souillure. And ungodly things. Et les choses impies. Even preachers do it. Même les prédicateurs le font. Amen. It is a disgrace. Amen. C'est une disgrâce. That is the condition of the world today. C'est ça la condition du monde aujourd'hui. You will see. Vous verrez. They are doing a publicity of a motorbike. Ils font une publicité de la moto. But they put a naked woman on top. Mais ils placent une femme nue là au-dessus. That is the mind of the world today. C'est ça la pensée du monde aujourd'hui. And God wants to spare us. Et Dieu veut nous épargner de cela. That's why we do get married. C'est pourquoi nous nous marions. You see, brethren. Oui, frères et sœurs. The prophet said, le prophète dit, let me read you. Laissez-moi vous lire. In another preaching, dans une autre prédication, God's covenant with Abraham. Alliance avec Abraham. Ah, the covenant of God with Abraham. L'alliance de Dieu avec Abraham. It was preached on the 23rd. Cela a été prêché le 23 February 56. Février 1956. He said, now I believe that. Il dit maintenant je crois que. Say, I don't believe that Satan is a creator. Il dit, je ne crois pas que Satan est un créateur. And it is true. Et c'est vrai. Satan is not a creator. Satan n'est pas un créateur. If he could create, s'il pouvait créer, he would create his own alors world. Il pouvait déjà créer son monde à lui. I believe that Satan is a pervert. Et je crois que Satan est un pervers. The one who perverts. Celui qui pervertit les choses. You are fighting to walk a holy life. Vous vous luttez pour marcher he dans une vie sainte. Pervert. Lui vient pour pervertir les choses. Ah. He is a pervert, but not a creator. Il pervertit les choses, il n'est pas un créateur. Because God is the only one who can create. Parce que Dieu est le seul qui peut créer. And in the beginning, et au commencement, and when he became, he was a co-partner to God. Quand il était partenaire avec Dieu, the son of the morning, le fils du matin, and so forth, et ainsi de suite. When he walked up and down quand a fiery brimstone, quand il marchait ça et là.
and so forth. Et ainsi de suite. That when Satan. Et que Satan. Perverted good to evil. C'est là que quand Satan a perverti le bien pour le mal. You know he have pervert, he pervert to do anything. Vous savez qu'il a perverti toute chose. Then he continue. Alors il continue. The prophet say, le prophète dit. Marriage life is of God. La vie de mariage appartient à Dieu. The Bible say that. La Bible dit que. Marriage life is of God. La vie de mariage est de Dieu. The bed is undefiled. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. But prostitution is perverted. Et la prostitution est illégale, c'est perverti. And look at the whole mind of. Et voyez toute la pensée des gens, des Américains, and the people of the world, et les gens du monde. Is gradually becoming so perverted. Cela est devenu perverti graduellement. Even the radios, même la radio, television, la télévision. It's all one big conglomeration of sin. Cela est une grande conglomération de péchés. Because the heart of man. Call for that. Parce que le cœur de l'homme appelle, envie cela. Ah, that's what people like. C'est ce que les gens veulent. In their mind, there is sin. Dans leur pensée, il y a le péché. In their mind, there is filth. Dans leur pensée, il y a la souillure. Desire. Et ils désirent cela. If a TV station show good thing, people will not follow. Alors si une chaîne de télévision montre des bonnes choses, les gens ne vont pas suivre cette chaîne. People prefer where there is swearing. Les gens vont préférer là où il y a des insultes. Ah. He say, il dit, every intention of a man's heart, chaque intention de cœur d'un homme, just as it was in the time of Lot, exactement comme c'était dans le temps de Lot, every desire of man is becoming continually evil. Chaque désir d'un homme devient continuellement et tourné vers le mal. You see, brethren, voyez, frères et sœurs, that's why. C'est pourquoi. God blessed marriage. Dieu a béni le mariage. It is a way to escape. C'est une façon d'échapper à la chose. Ah, to what the world is doing. Échapper à ce que le monde fait. To the confusion that is in the world. À la confusion qui se trouve dans le monde. But marriage comes with responsibility. Mais le mariage vient avec des responsabilités. In Ephesians chapter 5. Dans Éphésiens chapitre 5. Marriage comes with responsibility. Le mariage vient avec des responsabilités. In verse 22, au verset 22, wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wife be to their own husband in everything. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. It is a responsibility. C'est une responsabilité. Don't just look to the white dress. Ne regardez pas seulement la robe blanche. And to the congratulations. Ou aux félicitations. It is a responsibility. C'est une responsabilité. Wife, be submissive to your husband. Femme, soyez soumise à vos maris. Do the will of your husband. Faites la volonté de votre mari. Obey your husband. Obéissez à votre mari. Take care of Prenez him. Prenez soin de lui. You will answer before God. Vous allez rendre compte devant Dieu. Because of this responsibility. À cause de cette responsabilité. The nice food must be for your husband. Cette bonne nourriture doit être pour ton mari. The nice cup or glass. It's for your husband. Ce bon gobelet, ce verre là qui Don't est bon, deprive c'est pour votre mari. Ne le privez pas. The nice plate, des belles assiettes. No, non. The visitor oh, quand les visiteurs viendront, no. C'est pour les visiteurs. Non. It's for your husband. C'est pour votre mari. You are dressing for your husband to please him. Vous vous habillez pour plaire à votre mari. Be submissive to your husband. Soyez soumise à vos maris. In everything. En toutes choses.
God cannot ask you something that he knows that it is impossible. Dieu ne peut pas vous demander quelque chose qu'il sait lui-même que c'est impossible. We are just blessed. Nous sommes seulement bénis. Because we can connect it to the word of God. Parce que nous pouvons connecter cela à la parole de Dieu. By doing it, you are putting the word of God in practice. En faisant cela, vous mettez la parole de Dieu en pratique. And you are blessed. Et vous êtes bénis. Because I can tell you, parce que je pourrais vous dire, there is women out there, il y a des femmes là who à l'extérieur don't even know the word of God, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, mais husband. Elles sont tellement soumises à leur mari. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, but you do it because of the word of God. Mais vous le faites à cause de la parole de Dieu. That bring another dimension. Cela apporte une autre dimension. It bring a blessing. Qui apporte une bénédiction. Because you honor the word of God. Parce que vous honorez la parole de Dieu. In second Corinthians. Dans 2 Corinthiens. Let's read. Okay, we leave it. Nous laissons cela. Donc, that is a responsibility. Donc, cela est une responsabilité. Let's read the First Peter chapter 3. Allons d'abord dans 1 Pierre chapitre 3. I'm concluding. Je suis en train de conclure topic, notre sujet. We just remind one another. Nous nous rappelons seulement les uns les autres. The responsibilities. De ces responsabilités. First Peter chapter 3. 1 Pierre chapitre 3. Likewise, from verse 1. À partir du premier verset. Likewise, ye wives, be in subjection to your own husband, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of their wives. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. While they behold your chaste conversation coupled with fear. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, in verse 5, au verset 5, let's read everything. Lisons toutes choses alors. Whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting of hair and of wearing of gold, of putting on of apparel. Verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. We spoke about it. Nous avons parlé de cela. Say that in the heart of man there is a desire of beauty. Nous avons dit dans le cœur de la femme il y a ce désir de beauté de l'homme. But that is not the most important Mais thing. Mais cela n'est pas la chose la plus importante. Verse 4. Verset 4. But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and a quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. A calm and a meek spirit. Un esprit doux et paisible, which is of great value, qui est d'un grand prix in the eyes of God. Devant Dieu. You have got something. Vous avez quelque chose. That the God of heaven appreciates. Que le Dieu des cieux apprécie. And we saw it. Et nous avons vu cela. That it is the calm and the meek spirit. Que c'est cet esprit doux et paisible. That attracts your husband and your children to you. Attire ton mari et tes enfants à toi. That creates the heavenly atmosphere qui in the house. Crée aussi cette atmosphère céleste dans la maison. Vous voyez, frères et sœurs, in verse 5, au verset 5, for after this manner, in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husband. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughter you are, as long as you do well and are not afraid with any amazement. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, the word of God is clear. La parole de Dieu est claire. Obey your own husband. Obéissez à votre propre mari.
You can be a CEO. Vous pouvez être un CEO, directeur d'une compagnie. You can be a professor. Vous pouvez être un professeur, une professeure. You can be a teacher. Vous pouvez être une enseignante. You can even a manager of many men and women. Vous pouvez aussi être manager de plusieurs hommes et femmes. That is in the framework of work. Là, c'est dans le cadre du travail. You are a manager. Vous êtes un manager. Your subordinates have to respect the order and whatever you do. Vos subordinés doivent suivre ce que vous dites. But the Bible is clear. Et la Bible est claire. Be submissive to your own husband. Soyez soumis à votre propre mari. You see, brethren. Oui, frères et sœurs. To your husband. À votre mari. If you have made a vow. Si vous avez fait un vœu. To love him. De l'aimer. To be submissive to him. De lui être soumise. Do it. Faites-le. Even if he is short. Même s'il est court de taille. If he is tall. Même s'il est lancé. He may not be rich. Il peut ne pas être riche. If you love him. Mais si vous l'aimez. Respect him. Respectez-le alors. God will ask you to account. Dieu va vous demander de rendre compte. It is a huge responsibility. C'est une grande responsabilité. It is even one of the things. C'est l'une des choses that même will make that women enter in heaven. Qui fera ce que les femmes entrent au ciel. The submission to your own husband. La soumission à votre propre mari. Do the will of your husband. Faites la volonté de votre mari. Respect him. Respectez-le. Follow his instructions. Suivez ses instructions. Be a wife to him. Soyez une femme pour lui. The prophet said. Le prophète dit. A wife who refuses to be a wife to his husband. Une femme qui refuse d'être femme pour son mari. Is not worthy to be his wife. N'est pas digne d'être sa femme. You see, brethren. Oui, frères et sœurs. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. The Bible speaks as well to the husband. La Bible parle aussi au mari. In Ephesians chapter 5. Dans Ephésiens chapitre 5. He say. Il dit. Verse 25. Verset 25. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. That he might sanctify. And cleanse it with the washing of the water by the word. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. So that he might present it to himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such things, but that it should be holy. And without blemish. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. You see, brethren, mes frères et sœurs, the husband is compared to Christ. Le mari est comparé à Christ. That is Christ. Loved the church. Que comme Christ a aimé l'Église. And he have sacrificed himself for it. Et qu'il s'est livré ou sacrifié lui-même pour elle. That's how a husband should love his wife. Alors c'est comme ça qu'un mari doit aimer sa femme. He should be ready to sacrifice himself. Il doit être prêt à se sacrifier for his wife. Pour sa femme. And here the Bible is clear. Et ici la Bible est claire. The church that Jesus will present to himself. L'église que le Seigneur va se présenter à lui-même. When he call us, we are not perfect. Quand il nous appelle, nous ne sommes pas parfaits. But he is cleansing us. Mais il nous purifie. With the word. Avec la parole. He is purifying us. Il nous purifie, il nous lave. He does all that work. Il le fait tout cela. For his own pleasure. Pour son propre plaisir. So that he can present to himself. Afin qu'il se fasse paraître devant lui-même. A church without spot. Une église sans tache. A church without wrinkle. Une église sans ride, ni ride. It is the same with the husband. Et il en est de même avec le mari. Whatever you do, tout ce que vous faites for your wife, pour votre femme, it's for your own c'est pleasure. Pour votre propre plaisir. You see, brethren, oui, frères et sœurs, you have to love your wife. Vous devez aimer votre femme. Verse 28. Verset 28. So ought men to love their wives as their own body. He that love his wife love himself. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. For no man ever yet hath his own flesh,
but nourish and cherish it even as the Lord the church. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. You see, brethren, vous voyez, frères et sœurs, man must love his wife. L'homme, le mari doit aimer sa femme. That is the responsibility of man. C'est ça la responsabilité de l'homme. To keep the atmosphere of love in the house. Il doit garder cette atmosphère d'amour dans la the maison. The wife must feel that my husband loves me. La femme doit sentir que mon mari m'aime. It is not only in words. Ce n'est pas seulement en parole. In action. En action, en œuvre in aussi. Attitude. En attitude. The word that you pronounce. Les mots que vous prononcez. She must feel that elle he loves me. Sentir que non, cet homme m'aime. You see, brethren. Vous voyez, frères et sœurs. She must feel that I have arrived. I am in my house. Elle doit se sentir que je suis arrivé, je suis dans ma maison. If you are threatening her every day, si vous la menacez chaque jour, I will chase you. Oh, je vais te répudier. I'm buying food in this house. J'achète la nourriture dans cette maison. You don't understand. Là, vous ne comprenez pas. That is the responsibility of man. Ça, c'est la responsabilité de l'homme, du mari. You buy food. Vous achetez la nourriture. So that she can have food. Afin qu'elle puisse avoir la nourriture. You buy clothes. Vous achetez les vêtements. So that she can be beautiful. Afin qu'elle soit belle. It's for your own pleasure. C'est pour votre propre plaisir. And after eating, et après avoir mangé, are you satisfied? Vous devez lui poser la question, es-tu satisfaite? It's the responsibility of man. C'est la responsabilité du mari, you de l'homme, take care. De prendre soin. In love, there is forgiveness. Dans l'amour, il y a le pardon. You have to learn to forgive vous devez your wife. Apprendre à pardonner votre femme. To forgive your husband. De pardonner aussi to votre mari. With the person. De supporter la personne. There is no one who marry an angel. Il n'y a personne qui s'est marié à un ange. Men have got his own weaknesses. L'homme a ses propres faiblesses. The wife have got her own weaknesses. La femme aussi a ses défauts. The problem is how to handle them. Le problème c'est comment gérer la chose. And when there is love, et quand il y a l'amour, you will find a lovely way to handle vous those allez trouver failures. Une manière amoureuse de gérer les choses. We saw it when I draw a picture here. Nous avons vu cela quand j'ai dessiné une image ici. S'il y a des défauts or a mistake ou une erreur avec votre femme, you can forgive. Vous pouvez pardonner. You can pray for vous it. Pouvez prier pour la chose. The word of God can help. La parole de Dieu peut aussi aider. You can be as well patient with her. Vous pouvez aussi être patient avec that elle. When she understand, she will change. Alors quand elle va comprendre, elle va changer. There is something that you can do. Il y a quelque chose que vous pouvez instead faire. Of complaining, au lieu de vous plaindre, you can pray. Vous pouvez prier. You can give instruction. Vous pouvez donner des instructions. There is man he doesn't give the instruction. Le mari donne des instructions. A man he doesn't give the instruction. L'homme, le mari ne donne pas des instructions. But he is complaining. Mais il se plaint. What am I going to do? Qu'est-ce que je vais faire? The wife say, but you didn't say what you want. Qu'est-ce que je vais faire? La femme dit, tu n'as pas dit ce que tu voulais. I've done what I have done in the past, and you did appreciate. Il dit, j'ai fait ce que je devais faire dans le passé, mais tu n'as pas apprécié. Yeah. A man start complaining. Le mari se plaint. Non. Give instruction. Donner des instructions. That is cleansing her. C'est ça, la laver ou la purifier. She was under the authority of her parents. Elle était sous l'autorité de ses parents. Now she is under your authority. Maintenant, elle est sous votre autorité. Whatever she knows is what the parents told her. Tout ce qu'elle connaît, c'est ce que ses parents lui ont appris. Now that she is under your authority. Maintenant qu'elle est sous votre autorité. Tell her what you want. Dites-lui ce que vous voulez. You see, brethren. Vous voyez, frères et sœurs. And God will bless you. Et Dieu vous bénira. When we enter into marriage, quand nous entrons dans le mariage, we have to enter with a good attitude. Nous devons y entrer avec une bonne attitude. You are wishing a blessing to your own marriage. Vous souhaitez des bénédictions à votre propre you mariage. You don't enter in marriage with the spirit to fight. Vous n'entrez pas dans le mariage avec l'esprit de vous battre tout le temps. You start claiming things. Vous commencez à réclamer, à réclamer des choses. In this house, dans cette maison, they don't love me. On m'aime pas. Do you bring love in it? Est-ce que vous y apportez l'amour? Don't
draw too much from your marriage than what you bring in. Ne tirez pas plus de votre mariage que ce que vous y apportez. Here we are not speaking about money or other things. Ici, nous ne parlons pas de l'argent ou autre chose. We speak about attitude. Nous parlons de l'attitude. If you bring a bad attitude, si vous y apportez un mauvais attitude, and you want a good attitude, et que vous voulez aussi une bonne attitude, que soit. Where will it come from? Alors cela, d'où est-ce que ça va provenir? Good attitude. Bonne attitude. Good word. Bonne parole. Attitude of love. Attitude d'amour. You bring respect. Vous y apportez le respect. The sense of honor. Le sens d'honneur. Then you can say, I can pull something out of it. Alors là, vous pouvez vous dire, là, je peux tirer aussi quelque But chose de you cela. Bring always a complaint. Mais vous, vous y apportez toujours des plaintes. You see, brethren, oui, frères et sœurs, don't draw a lot. Ne tirez pas beaucoup. Then what you bring in. Plus que ce que vous y avez apporté. If you want peace, bring peace. Si vous voulez la paix, alors apportez If la you paix want dans le joy, bring si vous joy. Voulez la joie, apportez-y la joie. If you want a good atmosphere, si vous avez create it. Une bonne atmosphère, créez cette atmosphère. You have got the power. Vous avez le pouvoir, la puissance. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. Husband must love his wife. Le mari doit aimer sa femme. And love is a huge responsibility. Et l'amour, c'est une grande responsabilité. The Bible says, la Bible dit, cover a multitude l'amour of sin. Couvre une multitude de péchés. It cover. Ça couvre. In love, dans l'amour, you forgive. Vous pardonnez. Because God asks man Parce to que love, Dieu demande à l'homme d'aimer. He have given man as well a big heart. Sa femme, il y a aussi donné à l'homme un grand cœur. To forgive. Un cœur qui pardonne. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. In 1 Peter chapter 3 where we were. Dans 1 Pierre chapitre 3 là où nous étions. Verse 7. Verset 7. Likewise, you husband, dwell with them, with your wife. According to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weak vessel, and as being heir together of the grace of life, that your prayer be not hindered. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. And here it is important. Et ici, c'est important. Husband, be wise. Marie, soyez sage. Montrez de la sagesse. Wisdom is one of the qualities. La sagesse est l'une des qualités. That man must pray for. Que dont l'homme doit prier pour laquelle l'homme doit prier. To be wise. Pour être sage. And to that quality we add the patience. Et à cette qualité, nous ajoutons la patience. A man who get married must pray for wisdom and pray for patience. Un homme qui veut se marier doit prier pour la sagesse et la patience. Then you will know how to guide your own house. Alors là, vous saurez comment conduire See, votre give honor maison. To your wife. Dis honorer vos femmes. Don't mistreat her in public. Ne les maltraitez pas en public. Even in private. Même en privé. Don't mistreat her. Ne la maltraitez pas. She partake to the same grace. Elle prend part à la même grâce. Don't insult your wife. N'insultez pas votre femme. You speak like a devil to your wife. Vous parlez comme un démon vers votre femme. You insult. Vous l'insultez. You insult the parents. Vous insultez même ses parents. No. No. And here I want to attract your attention. Et ici, j'aimerais attirer votre attention. Parents, we should not even touch them in the marriage. Parents, nous ne devons même pas les toucher dans leur mariage. It is sacred. C'est sacré. If she have done wrong, si elle a fait un mal, she is the one who did wrong. Elle est celle qui a commis le mal. Elle a tort. It is not her parents. Et ce n'est pas ses parents. You insult, vous insultez, you speak, vous insultez, vous parlez. You use, no, no, vous no, utilisez, no. Non, non, c'est pas the correct. Parents have educated her, ses parents lui ont éduqué. That when you saw her, your heart beated, afin que quand tu l'as vu, ton cœur a battu. And you appreciate the work that they have done. Et tu as apprécié l'œuvre qui a été faite. The work that the parents have done. L'œuvre ou le travail que les parents ont fait. When you take her, quand vous la prenez, now you
carry the responsibility. Alors vous prenez soin de la responsabilité. To show her now what you want. Pour lui montrer maintenant ce que vous voulez. You see, brethren. Voyez, frères et sœurs. Don't speak about parents. Ne parlez pas de ses parents. The Bible says, children honor father and mother. La Bible dit, enfants, honorez vos parents, papa et the maman. The parent of your husband become your parent. Les parents de votre femme ou votre mari deviennent aussi vos the propres parents. The parent of your wife become your parent. De même, les parents de votre femme deviennent vos parents. Honor them. Honorez-les. Respect them. Respectez-les. It is a secret. Cela est sacré. God will shorten your days on earth if you touch there. Dieu va raccourcir le nombre de vos jours ici sur la terre si vous les touchez. We have to fear God. Nous devons craindre Dieu. If she have done wrong, si elle a fait le mal, you speak about the wrong that she have done. Vous parlez du mal qu'elle a fait. Not her parents. Pas ses parents. Not the parents of the husband. Pas les parents du mari. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. And that, comes from wisdom. Et cela provient de la sagesse. From the fear of God. De la crainte de Dieu. From the respect that we have for one another. Du respect que nous avons l'un pour l'autre. We have to respect each other. Nous devons nous respecter mutuellement. The respect is a right. Le respect est un droit. Even if somebody have done something si wrong, quelque chose a commis un mal, he deserves to be respected. Si quelqu'un a commis le mal, il mérite d'être respecté. That's why we cannot speak anyhow. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler de n'importe if quelle manière. You know that what you are about to say, si vous savez que ce que je suis sur le point de dire, to hurt c'est pour blesser the heart of your wife le cœur your de votre femme ou votre mari, don't say it. Alors ne le dites pas. You are not fulfilling the will of God. Vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Don't say it. Ne le dites pas. In 1 Corinthians chapter 7, dans 1 Corinthiens chapitre 7, the purpose of marriage, le but du mariage, is that the husband have to please his wife. C'est que le mari puisse plaire à sa femme. And the wife must please the husband. Et que la femme aussi plaise à son mari. It is a competition to please one another. C'est une compétition où l'on doit se plaire ou plaire l'un à l'autre. It is through there may be misunderstanding. C'est peut-être au travers des mésententes. But as Christian, we know to solve the problem so that the good atmosphere can come back. Mais en tant que chrétien, nous savons comment traiter pour que l'atmosphère revienne. The purpose is how to please each other. L'objectif c'est de savoir comment se plaire. When you please your husband, you are serving the Lord. Quand vous plaisez à votre mari, vous servez le Seigneur. When you please your wife, you are serving the Lord. Quand vous plaisez à votre femme, vous servez le Seigneur. And it is not in word. Et ce n'est pas en parole. In action. Mais en œuvre, en action. When you please somebody, quand vous plaisez à quelqu'un, you will try to find what make him happy. Vous allez essayer de trouver ce qui le rend heureux. What make her to be happy. Ce qui le rend ou la rend heureuse. And do it. Et faites-le. Multipliez. Particularly if she tells you I like this. Mais si elle vous dit que j'aime ceci. Hey, multiply those things. Alors multipliez cette chose qu'elle aime. That is to please your wife. C'est ça, plaire à to votre femme ou à votre mari. You see, brethren, oui, frères et sœurs. Marriage is a wonderful institution. Le mariage est une institution merveilleuse. We have to prepare ourselves to it. Nous devons nous préparer pour ce mariage. In the fear of God. Dans la crainte de Dieu. And live in it. Et vivre dans le mariage. In the fear of God. Dans la crainte de Dieu. And prepare ourselves. Et nous préparer for the return of pour the le Lord. Retour du Seigneur. The Lord loves us. Le Seigneur nous aime. He wants us to be happy. Il veut que nous soyons heureux. He wants us to be in peace. Il veut que nous soyons en paix. Bring peace in your own marriage. Apportez la paix dans votre don't propre mariage. Don't just envy others. N'enviez pas seulement les autres. You go to a brother. Vous allez chez un frère. See, oh, this house is wonderful. Oh, sa maison est merveilleuse. But you don't know the effort they are doing. Mais vous to keep connaissez that même atmosphere. Pas les efforts qu'ils fournissent pour garder cette atmosphère. You eat there, you say thank vous you to the sister. Vous mangez là-bas et vous dites merci à la sœur. To your own wife, you have mais never said thank femme, you. Mais à votre vous l'avez jamais dit merci. And you say no, there is no good atmosphere here. Oh, ici, vous dites non, ici il n'y a pas de bonne atmosphère. No. Pray the Lord. Priez le Seigneur. To inspire you, idea to create good atmosphere. Sur des idées à créer de ce bonne atmosphère. The atmosphere of love l'atmosphère and peace d'amour et de paix and joy. Et de joie. You will live heaven on earth. Vous vivrez le ciel sur la terre. It is possible. Cela est possible. Listen to the word of God. Écoutez la parole de Dieu.
We thank the Lord. Disons merci au Seigneur. As I was saying from the beginning, comme je disais au départ, marriage comme is for the entire life. Le mariage c'est pour toute la vie. We can speak for years and years. Nous pouvons parler pendant des années et des années. But, we believe that what was said, mais nous croyons que ce qui a été dit will help, aidera, va aider to give again life to our marriage, pour redonner une fois de plus la vie dans nos mariages, to bring joy and help us to correct where we were wrong, et d'apporter la joie et nous aider à corriger là où nous avons commis le mal, and we can live in peace, et nous pouvons vivre en paix, and prepare ourselves for the return of the Lord, et nous préparer pour le retour du Seigneur, so that nothing can hinder our prayer to the Lord, afin qu'il n'y ait rien qui peut empêcher notre prière à notre Seigneur. You see, brethren, oui, frères et sœurs, and the youth, et les jeunes, don't follow the world, ne suivez pas le monde, be different, soyez différents, accept to be different, acceptez d'être différents, at the university, à l'université, accept to be different, acceptez d'être différents, when they ask you, quand on vous demande, say, I don't have a boyfriend, et j'ai pas un copain, because I am a child of parce God, que je suis un enfant des dieux, I don't have Dieu, a girlfriend, je n'ai pas une copine, because I am a child of parce God, que je suis un enfant des dieux, I know the devil will attack je you, sais que le diable va vous attaquer, I have heard they say you don't have a girlfriend. J'ai appris où on disait tu n'as pas de copine. Are you a gay? Est-ce que tu es gay? You see, you can face all those things. Vous pouvez confronter toutes ces choses. Accept to face them because of the name of Jesus Christ. Acceptez de les affronter à cause du nom de Jésus Christ. Let people accuse you falsely. Laissez que les gens vous accusent faussement. Because you want to stand on the word of God. Parce que vous voulez vous tenir sur la parole des dieux. You see, brethren, oui, frères et sœurs, that's what we wanted to share. C'est ce que nous voulions partager. If there is a question, s'il y a des questions, do not hesitate. N'hésitez pas. We are there for that. Nous sommes là pour cela. So that together we can support each other. Afin que tous ensemble nous nous soutenons in this walk, dans cette marche, up until the return of the Lord. Jusqu'à ce que le retour et le Seigneur viennent. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Let us bow our heads. Inclinons nos têtes. Can the choir give us la chorale peut nous donner un cantique. We glorify your name. We glorify your name. Amen. 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 Alleluia.
With our head bowed, avec nos têtes inclinées, my brother, my sister, mon frère et ma sœur, the Lord is in our midst. Le Seigneur est parmi nous. He wants to bless us. Il veut nous bénir. I just want to ask, j'aimerais juste demander if there is anyone, s'il y a quelqu'un who have not yet given his life to the Lord, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur and who have been touched by the word et of qui God, a été touché par la parole de Dieu and he want to give his life et to the Lord, qui veut donner sa vie au Seigneur by accepting to be baptized, en acceptant d'être baptisé in the name of the Lord Jesus Christ, dans le nom du Seigneur Jésus Christ, by immersion in many water, par immersion dans beaucoup d'eau, because that is the true baptism, parce que c'est ça le véritable baptême, in the name of Jesus Christ, dans le nom de Jésus Christ, the name of our salvation, le nom de notre salut, the name of deliverance, le nom de délivrance, the name of the blessing, le nom de bénédiction. Is there anyone, y a-t-il quelqu'un who want to give his life to the Lord, qui veut donner sa vie au Seigneur? Just lift up your hand. Levez seulement votre main. We will take you to the water baptism. Nous allons vous amener aux eaux des baptêmes. The Bible says, la Bible dit, today, aujourd'hui, if you hear his voice, si vous entendez sa voix, do not harden your heart. N'endurcissez pas votre cœur. The Lord is calling. Le Seigneur appelle. May you reply to his calling. Que répondez à son appel. My brother, my sister, mon frère et ma sœur. Even we who have believed, même nous qui avons cru long time, il y a longtemps, the Lord is talking to us. Le Seigneur nous parle. He speaks to the youth. Il parle aux jeunes. He speaks to the adult. Il parle aux adultes. He speaks to the husband. Il parle au mari. He speaks to the wife. Et il parle aussi aux femmes. He speaks to the children. Il parle aux enfants. His word is the truth. Sa parole est la vérité. Even concerning our marriage. Même au sujet de notre mariage. Many things were said. Plusieurs choses ont été dites. Don't you want to take a decision? Ne voulez-vous pas prendre une décision? To stand by the side of the word of God. Pour prendre position de la parole de Dieu. In your youth. Dans votre jeunesse. In your marriage. Dans votre mariage. Don't you want? Ne voulez-vous pas? To abandon what was not right. Abandonner ce qui n'était pas correct. What you were doing according to the world, ce que vous faisiez selon le monde, and line up with the word of God, et vous aligner avec la parole de Dieu. The hand of our God are open. Là, les mains de notre Dieu sont ouvertes. He never cast away the one who come to him. Il ne rejette point celui qui vient à lui. When we come with a repentant heart, quand nous venons avec un cœur de repentance, and recognize our mistake, et reconnaissons nos péchés, he forgive, il nous pardonne, and he grant his grace, et nous accorde sa grâce. I invite you to stand up. Je vous invite à vous lever. We are going to pray all together. Tous ensemble, nous allons prier. Amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Kodomisa seya kodomisa seya kodomisa seya kodomisa seya kodomisa seya kodomisa ale. Let us pray all together. Prions tous ensemble. Our heavenly Father,
mon frère et ma sœur, pendant que je vais prier, if you have got a need, si vous avez un besoin, if you are sick, si vous êtes malade, and you need the Lord to heal you, et vous voulez que vous avez besoin que le Seigneur vous guérisse, just lift up your hand. Levez seulement votre main. If you've got any other need, si vous avez n'importe quel besoin, for your marriage, pour votre mariage, for your study, pour vos études, for your work, pour votre travail, for your life in general, pour votre vie en général, just lift up your hand. Levez votre main seulement. We lift them to our God. Nous les élevons à notre Dieu. He is the answer. Il est la solution. La réponse, what is difficult for us, ce qui est difficile pour nous, is possible with our God. Est possible avec notre Dieu. Our Heavenly Father, notre Père Céleste, our heart in joy this morning, nos cœurs sont dans la joie ce matin, that we have come to hear your word, que nous sommes venus pour écouter ta parole. We have come to prepare ourselves, nous sommes venus pour nous préparer for your return, pour ton retour. Precious Lord, précieux Seigneur, you want our holiness, tu veux notre sainteté. You want us to walk in peace, tu veux que nous marchions dans la paix. In peace with one another, en paix avec l'un l'autre. In peace with ourselves, en paix avec nous-mêmes. That is your desire. C'est ça ton désir. We have read it. Nous l'avons lu. The will of God, la volonté des dieux, is our holiness, et notre sainteté. You have not called us, tu ne nous as pas appelés, so that we may live in filthy, afin que nous puissions vivre dans les souillures, so that we may live in evil, ou que things, nous vivions dans les mauvaises choses. You have called us to holiness, mais tu nous as appelés à la sainteté. Precious Lord, précieux Seigneur, you have established marriage, tu as établi le mariage, a wonderful institution, une institution merveilleuse, so that we may live in holiness, afin que nous vivions en sainteté. And you have granted, precious Lord, et tu as accordé, précieux Seigneur, for the past couple of weeks, pour les quelques semaines passées, you have spoken to us about marriage. Tu nous as parlé sur le mariage. May you reveal your will to your people. Puisses-tu révéler ta volonté à ton peuple. May you reveal your will to the youth. Puisses-tu révéler ta volonté aux jeunes. Because the Bible says, parce que la Bible dit, the thought of God is not our thought. Les sentiments des dieux ne sont pas les nôtres. The ways of God are not our ways. Les voies des dieux ne sont pas les nôtres. But as a children of God, mais en tant qu'enfants des dieux, we want to line ourselves with your word. Nous voulons nous aligner avec ta parole. We want to line up with your thought. Nous voulons nous aligner avec tes pensées. With your way. Avec tes voies. Help us, O God. Aide-nous, ô Dieu. May you reveal it to each and every one. Que tu puisses révéler cela à chacun de nous. So that we may see the way you see things. Afin que nous voyions de la manière dont tu vois les choses. So that we may walk in holiness. Afin que nous marchions dans la sainteté. Not according to the world. Pas selon le monde ou conformément au monde. Oh, precious Lord. Ô précieux Seigneur. Help the youth. Aide les jeunes in their preparation, dans leur préparation, that they might have upon their heart, afin qu'ils aient sur leur cœur the desire to keep their path, their way clean, le désir de garder leur sentier pur, not going forward being burdened with problems, pas en avançant et étant chargé des choses, surchargé des sometimes choses, think that they cannot repair, peut-être deux fois des choses qu'ils ne peuvent même pas réparer. Help them, Lord. Aide-les, Seigneur. They believe in you. Ils croient en toi. They are your children. Ils sont tes enfants. Reveal your will to them. Révèle ta volonté. And fight for them, precious Lord. Et combat pour eux, précieux Because Seigneur. Because of the challenge they face in this world. À cause des défis qu'ils sont en train de confronter dans ce monde. Be a shield to the youth in our midst. Sois un bouclier aux jeunes parmi nous. Precious Lord, we plead with you. Précieux Seigneur, nous plaidons avec toi. Protect them, Lord. Protège-les, Seigneur. From the perversion. De la perversion. From the abomination. De l'abomination. That are in the world. Qui se trouve dans le monde. That they may remain yours. Afin qu'ils puissent rester et t'appartenir. Because they are fathers of tomorrow. Parce qu'ils sont les futurs pères de demain. Mothers of tomorrow. Et les mères de demain. The pastors of tomorrow. Les pasteurs de demain. May you take care of them. Que tu prennes soin d'eux. May you spare them. Que tu les épargnes. From the snare of the devil. Le piège du diable.
Precious Lord, précieux Seigneur, we bring to you our marriage. Nous t'apportons nos mariages. What do you want? Ce que tu veux, our holiness. C'est notre sainteté. We have read the marriage must be honorable. Nous avons lu que le mariage soit honoré de tous. May you put the fear of God in our hearts. Que tu puisses mettre la crainte de Dieu dans nos cœurs. Afin que nous honorions nos propres mariages. Et que nous honorions les mariages de nos frères et sœurs. Help us, O God. Aide-nous, oh Dieu. To run away from prostitution. Fuir la prostitution. From fornication. L'impudicité. From adultery. L'adultère. And to live et de a vivre holy life. Une vie sainte. Grant it, oh God. Accorde-le, oh Dieu. You never speak in vain. Tu ne parles jamais en vain. When you speak to your people, à chaque fois que tu parles à ton peuple, because you love them. C'est parce que tu les you aimes. Want to spare tu us veux nous épargner from the fall, de la chute. To spare us tu nous épargnes from the confusion de la confusion is in the world. Qui se trouve dans le monde. May you protect our marriage. Laisse-nous protéger nos mariages. Bless every effort that we do. Bénis chaque effort que nous fournissons. The effort that the husband do. Les efforts que le mari fournit. The effort that the wife do. Les efforts que la femme fournit. To bring a heavenly atmosphere. Pour apporter cette atmosphère céleste. May you multiply them. Que tu puisses les multiplier. And bring joy. Et apporter la joie. And peace. Et la paix. May you bless our marriage. Que tu bénisses nos mariages. With the riches. Avec tes richesses. Because the financial problem, precious Lord. Parce que le problème financier, précieux Seigneur. Is many times the cause of many problems in marriage. A toujours été dans la plupart des cas la cause des problèmes dans le mariage. Gold and the silver belong to you. Mais l'or et l'argent t'appartient. May you bless our marriage. Que tu bénisses nos mariages. Give work to the brother so that he may provide. Donne de l'emploi au frère afin qu'il puisse pourvoir pour sa for famille. The need of his house. Pour le besoin de sa famille. Oh precious Lord. Oh précieux Seigneur. We thank you. Te disons merci. For your love and pour ton amour mercy. Et pour ta miséricorde. May you get hold with our wives. Que tu puisses saisir nos femmes. Because the Bible says. Parce que la Bible dit. A wise woman. La femme sage. She build her own elle house. Elle bâtit sa maison. But a fool destroy it with her et own hands. Et une femme folle la détruit avec ses propres mains. May you give them wisdom. Que tu leur donnes la sagesse. To build the house. Afin de bâtir leur maison. To teach the children the way of God. D'enseigner à leurs enfants les voies de Dieu. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. We believe with all our heart. Nous croyons de tout notre cœur. That you are in our midst. Que tu es parmi nous. To bless us. Pour nous bénir. We believe with all our heart. Nous croyons de tout notre cœur. That the work of Calvary. Que l'œuvre du calvaire. Is a complete work. Est une œuvre achevée. It produces true children of God. Elle produit des véritables enfants de Dieu. And we thank you, Lord, et nous te disons merci, Seigneur, for such wonderful brothers and sisters, pour de tels merveilleux frères et sœurs, for your children. Pour tes enfants. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Bless our faith. Bénis notre foi and our preparation for et notre your return. Préparation pour ton retour. Help each and every one of aide us chacun de nous in the fight that we have to fight every day. Dans le combat que nous devons faire chaque jour. The fight of faith. Le combat de la foi. The fight to keep the word of le God. Combat de garder la parole de Dieu. Even in our marriage. Même dans nos mariages. Up until you come jusqu'à to ce que tu viennes nous prendre. Help us, precious Lord. Aide-nous, précieux Seigneur. Equip us, Lord. Équipe-nous, Seigneur. So that we may win this battle. Afin que nous puissions vaincre, gagner cette bataille. This fight. Ce combat. Because we want to see you, parce Lord, que nous voulons te voir. When you appear. Quand tu apparais. Thank you, Lord, for this service. Merci, Seigneur, pour ce service. Many hands are lifted up. Plusieurs mains sont levées. To express a need. Pour exprimer un besoin. You are a God who knows everything. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Before even the word is in our mouth. Avant que même la parole soit dans notre bouche. You know it, oh tu God. La connais, oh Dieu. Before even they lift up their avant hand, qu'ils puissent même lever leurs mains. You know the need. Tu connais leurs besoins. May you provide que tu puisses Lord. Pourvoir, précieux Seigneur. Those who are sick, que ceux qui sont malades. Grant the healing. Accorde-leur la guérison. In the name of au Jesus nom de Jésus-Christ. Amen. Those who want peace que ceux qui veulent la paix for their marriage, pour leur mariage grant peace, accorde-leur la Lord. Paix, précieux you Seigneur. Are the prince of tu peace. Es le prince de paix. Those who want wisdom, que ceux qui veulent la sagesse grant wisdom, accorde-leur Lord. La sagesse, précieux Seigneur. Because all blessings parce come que toutes from les you. Bénédictions proviennent de and toi you are the giver of all et tu es le donateur gifts. De tout le don.
Bless each and every one of us. Bénis chacun de nous. Thank you, Lord, merci Seigneur for this moment. Pour ce moment. We surrender the midweek service in your hand. Le service de courant de la semaine. We surrender brother Obed. Nous recommandons le frère Obed. May you be with him, que Lord. Tu sois avec lui Seigneur. May you strengthen que him, tu puisses le fortifier. And may you put your word in his et mouth que tu mettes ta parole dans sa bouche. For our edification. Pour notre édification. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Once more, une fois de plus, we surrender brother Joseph nous recommandons to you. Le frère Joseph à toi. We will never cease nous n'allons jamais cesser to claim his de réclamer fully good wealth from you, Lord. Sa bonne totale santé de toi. May you perform your work in his que body. Tu puisses opérer tes œuvres dans son corps. Thank you, Lord. Merci Seigneur. We glorify your name. Nous glorifions ton nom. We worship you, Lord. Nous t'adorons Seigneur. As we pray, comme nous prions. In the mighty name dans le nom puissant of our Lord de notre and Seigneur Savior, Jesus et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. We are at the end of this service. Nous sommes à la fin de notre culte. I just want to say one word. J'aimerais juste dire un mot de plus. When we started, the pastor mentioned about the deacon's number. Quand on a commencé, le pasteur a mentionné quelque chose sur le numéro de contact des diacres. I'm asking the technician to send to cast the numbers. Et là, je demande au technicien de projeter le numéro des diacres. And if you don't have the number of your deacons, et si vous n'avez pas le numéro de vos diacres, you can write them down. Vous pouvez les écrire maintenant même. We are doing this. Nous faisons ceci. It's just to help. C'est pour aider seulement. We are numbers here. Nous sommes nombreux ici. And it means we can have or face problems. Cela signifie que nous pouvons avoir des problèmes. So, if there is a problem, alors s'il y a un problème, feel free to contact the deacon. Sentez-vous à l'aise de contacter les diacres. Regardless of the time, malgré le temps, ne comptez pas le temps. You can call your deacon anytime. Vous pouvez appeler votre diacre à n'importe quel temps. Midnight, même à minuit, our phones une heure are always du matin, on. Nos téléphones sont toujours allumés, disponibles. Il peut se faire qu'à cause de ce délestage que nous voyons ces jours. Or maybe cable theft. Ou à cause de vol de câbles. And you call someone and the vous appelez l'un des diacres, il ne répond pas. You can try with others. Vous pouvez essayer avec les restes des numéros des but diacres. We always do our best to mais keep nous our phone charged and open. Alors nous faisons de notre mieux pour garder nos téléphones chargés et disponibles, ouverts. Brother, Richard, who is not here. Le frère Richard qui n'est pas ici, you can still call him on WhatsApp. Vous pouvez toujours le contacter, l'appeler sur WhatsApp. He is available. Il est disponible. Remember that we are all working hand in hand. Souvenez-vous que nous travaillons tous main dans la main. The church council. En tant que conseil de l'église. Yes, we are all together. Nous sommes tous ensemble. So, and there is also one thing. Et il y a aussi une autre chose. As deacon. En tant que diacre. Even the elders. Et même les anciens. We keep secret all problems of the children of God. Nous gardons secret tous les problèmes des enfants des dieux. We always keep them secret. Nous les gardons toujours secrets. We not distribute a problem. Nous n'allons pas propager votre problème or share a certain situation ou partager une else. Certaine situation, votre situation avec quelqu'un d'autre. Our duty notre devoir as deacon en tant que diacre is to keep secret. C'est de garder secret. Since we started, depuis qu'on a commencé, we have faced or seen some other problems. Nous avons vu ou eu certains problèmes. That we try we sit together nous asseyons ensemble with the elders avec les anciens and we find solution et nous trouvons une solution that we'll propose you que nous allons vous proposer and we stop there. Et nous nous arrêtons là-bas. So that's how we always work. Alors c'est comme ça que nous travaillons toujours. So, please feel free. Alors s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise. That et j'assume que the number of, Brother Joseph. Vous avez aussi le numéro de Frère Joseph.
and brother Laurent. Et du frère Laurent. If you don't have their numbers, alors si vous n'avez pas leur numéro, it's a bit strange. Alors c'est tellement étrange. You're supposed to have their numbers. Mais vous êtes censé avoir leur numéro. Whatever kind of problem, peu importe le problème que vous avez, sentez-vous à l'aise to call your deacon. Appelez vos diacres. No deacon will shout at you. Aucun diacre ne va vous gronder. Aucun diacre just drop your call. Va seulement décliner votre appel. We do respect you. Nous vous respectons. For you to call us, pour que vous nous appeliez, it means that you trust in us. Comme, c'est-à-dire quand vous nous appelez, so cela signifie que vous nous faites confiance. We can't deceive you. Alors nous ne pouvons pas it's vous décevoir. C'est notre responsabilité. We have to do that. Nous devons le faire. So please make sure that you have this. Alors, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous avez ce numéro de contact. Richard, you can't get hold of him. Brother Trésor is there. Si vous appelez le frère Richard et que vous ne l'atteignez pas, vous pouvez appeler le frère Trésor ou le frère Michel so ou moi. This is how we work. Alors, c'est comme ça que nous œuvrons. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. I hope that, you get it well. Ah, je crois que vous avez bien reçu cela. What we need is the children of God to be in peace. Ce que nous voulons, c'est que les enfants de Dieu soient en paix. Be in peace with yourself. Soyez en paix avec vous-même. Be in peace with your brother. Soyez en paix avec votre frère. Be in peace with your sister. Soyez en paix avec votre sœur. And you can pray God freely. Alors là, vous pouvez prier à Dieu and librement. And you will feel even the presence of God. Et vous allez même sentir la présence du Seigneur. Your prayer will be blessed. Et votre prière sera because bénie. Nothing is accusing you. Il n'y a rien qui vous accuse, qui vous condamne. There is nothing who is making you to cry. Il n'y a rien qui vous pousse à pleurer. You are in peace. Vous êtes en paix. And God will answer your prayer. Et Dieu va exaucer votre prière. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Now, next week we are expecting brother Obed. Maintenant, la semaine prochaine, nous attendons come à avoir le frère Obed venir à temps. Il est un visiteur. When a visitor is coming to you, quand un visiteur vient chez vous, you don't run away. Vous ne fuyez pas. You open the door. Vous ouvrez vos portes. And you receive him et with vous l'accueillez joy. Avec joie. So we are expecting alors, many nous attendons things à plusieurs choses qui doivent se produire during the coming week. Durant la semaine qui vient. May the peace. Alors que la paix and the love et l'amour of our God de notre Dieu be with you soit avec vous as now you're going home. Comme maintenant vous rentrez à la maison. Thank you.
of the world have taken wings. Long ago I gave them up and instead came. All my night was turned today, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. Oh, he abides. He abides, he abides. I'm rejoicing night and day as I